Challenge juridique, les pitbulls sont souvent soumis à des lois et réglementations spécifiques dans de nombreuses juridictions en raison de leur réputation controversée et de préoccupations concernant la sécurité publique. Les pitbulls, des protecteurs des landmarks radieux. Les pitbulls sont souvent mal compris et stigmatisés en raison de leur réputation négative. Cependant, il est important de comprendre les différentes facettes de cette race et de reconnaître leur potentiel en tant que chien de compagnie aimant et protecteur. Cette exploration approfondie des pitbulls mettra en évidence leurs caractéristiques physiques distinctives, leur tempérament aimant et loyal, ainsi que leur rôle en tant que chien de garde et de sécurité. Les pitbulls sont connus pour leur musculature puissante et leur tête large, ce qui leur donne une apparence imposante. Cependant, il est important de ne pas juger un livre par sa couverture. Sous leur apparence robuste, les pitbulls sont des chiens doux, affectueux et loyaux envers leur famille. Leur nature protectrice en fait des compagnons idéaux pour ceux qui recherchent un chien qui veillera sur eux et les protégera. Origine des pitbulls. Les origines des pitbulls remontent à l'Angleterre du 19e siècle. Ces chiens étaient à l'origine élevés pour des combats de chiens, une pratique cruelle qui a heureusement été interdite. Cependant, l'histoire de la race ne se limite pas à cette période sombre. Les pitbulls descendent de croisements entre des bulldogs et des terriers. Les bulldogs étaient utilisés pour le taureau bétain, une activité brutale qui consistait à attaquer les taureaux. Les terriers, quant à eux, étaient des chiens de chasse utilisés pour traquer et capturer les animaux nuisibles. Le résultat de ces croisements était un chien puissant, agile et courageux. Les pitbulls étaient également réputés pour leur ténacité et leur endurance, ce qui en faisait des chiens de travail polyvalents. Ils étaient utilisés dans diverses tâches, notamment la chasse, la garde de troupeaux et la protection de la propriété. Aujourd'hui, les pitbulls sont souvent mal compris en raison de leur passé controversé. Cependant, il est important de se rappeler que leur histoire remonte à une époque où ils étaient appréciés pour leurs qualités exceptionnelles. En comprenant leurs origines, nous pouvons mieux apprécier les pitbulls en tant que chiens de compagnie aimants et protecteurs. Caractéristiques physiques des pitbulls. Les pitbulls sont connus pour leurs caractéristiques physiques distinctives qui les rendent facilement reconnaissables. Leur musculature puissante et leur tête large sont des traits qui les distinguent des autres races de chiens. Leur corps est robuste et bien proportionné, ce qui leur confère une apparence athlétique. Leur poitrine est large et profonde, témoignant de leur force et de leur endurance. Les pitbulls ont une musculature développée, ce qui leur donne une grande puissance et une agilité remarquables. Leurs membres sont forts et bien musclés, leur permettant d'être rapides et agiles dans leurs mouvements. Leur tête est large et puissante, avec une mâchoire forte et des muscles bien développés. Cela leur confère une apparence imposante, mais ne reflète en rien leur véritable nature douce et aimante. Tempérament des pitbulls. Le tempérament des pitbulls est souvent mal compris et stigmatisé. Cependant, une exploration approfondie révèle leur nature aimante, loyale et protectrice envers leur famille. Ces chiens sont connus pour leur attachement profond envers leur maître et leur désir inné de les protéger. Les pitbulls sont souvent décrits comme des chiens doux et affectueux, qui cherchent constamment l'approbation et l'affection de leur propriétaire. Leur loyauté inébranlable envers leur famille en fait des compagnons fidèles et dévoués. En raison de leur nature protectrice, les pitbulls sont souvent utilisés comme chiens de garde. Leur instinct territorial et leur vigilance en font d'excellents gardiens de la maison et de la famille. Ils sont prêts à défendre leurs proches en cas de danger. Il est important de noter que le tempérament des pitbulls est influencé par leur éducation et leur socialisation. Une formation adéquate et une exposition positive à différentes situations et personnes sont essentielles pour favoriser un comportement équilibré et positif chez ces chiens. En conclusion, les pitbulls ont un tempérament aimant, loyal et protecteur envers leur famille. Leur nature douce et leur désir de plaire en font d'excellents compagnons pour ceux qui les comprennent et les traitent avec amour et respect. Mythes et réalités sur les pitbulls. Les pitbulls sont souvent victimes de préjugés et de stéréotypes négatifs. Il est important de démystifier ces idées fausses courantes et de présenter les faits réels concernant leur comportement. Tout d'abord, il est crucial de noter que les pitbulls ne sont pas naturellement agressifs. Comme tous les chiens, leur comportement dépend de leur éducation, de leur socialisation et de leur environnement. Les pitbulls sont en réalité des chiens aimants, loyaux et intelligents. Ils sont connus pour être très attachés à leur famille et pour être de bons compagnons. Avec une éducation appropriée et une socialisation adéquate, les pitbulls peuvent être des animaux de compagnie exceptionnels.
Il est important de souligner que la responsabilité de leur comportement incombe au propriétaire et non à la race elle-même. Il est également important de noter que les statistiques de morsures de chiens ne sont pas spécifiques à une race en particulier. Les morsures de chiens peuvent survenir avec n'importe quelle race et sont souvent le résultat d'une mauvaise éducation ou de mauvais traitements. Il est injuste de blâmer les pitbulls en général pour les actions individuelles de certains chiens. En conclusion, il est essentiel de déconstruire les mythes et les idées fausses entourant les pitbulls. Ils méritent d'être jugés sur leur comportement individuel plutôt que sur des généralisations négatives. Avec une éducation appropriée, une socialisation adéquate et un environnement aimant, les pitbulls peuvent être des compagnons aimants et protecteurs. Formation et socialisation des pitbulls. La formation et la socialisation sont des éléments essentiels pour favoriser un comportement équilibré et positif chez les pitbulls. En tant que propriétaire responsable, il est important de comprendre que ces chiens ont besoin d'une éducation adéquate pour développer leur plein potentiel. La formation des pitbulls peut commencer dès leur plus jeune âge. Il est recommandé de les inscrire à des cours d'obéissance dès qu'ils sont en mesure de suivre des instructions de base. Ces cours permettent de renforcer les liens entre le chien et son maître, tout en enseignant les commandes de base telles que assis, couché et au pied. La socialisation est également cruciale pour les pitbulls. Il est important de les exposer à différentes situations, personnes et animaux dès leur plus jeune âge. Cela les aidera à développer des compétences sociales et à être à l'aise dans divers environnements. Les promenades régulières, les visites dans les parcs à chiens et les interactions positives avec d'autres animaux sont autant de moyens de favoriser une socialisation saine. En combinant une formation cohérente et une socialisation appropriée, les propriétaires de pitbull peuvent aider à prévenir les comportements indésirables tels que l'agressivité ou la peur excessive. Il est important de se rappeler que chaque chien est unique et qu'une approche individualisée est nécessaire pour répondre aux besoins spécifiques de chaque animal. En conclusion, la formation et la socialisation sont des éléments clés pour favoriser un comportement équilibré et positif chez les pitbulls. En investissant du temps et des efforts dans l'éducation de ces chiens, les propriétaires peuvent aider à promouvoir une cohabitation harmonieuse entre les pitbulls et leur environnement. Pitbull et enfants. Pitbull et enfants. Une exploration de la relation entre les pitbulls et les enfants, soulignant leur nature douce et leur capacité à être d'excellents compagnons pour les plus jeunes membres de la famille. Les pitbulls ont souvent été mal compris et stigmatisés, mais la vérité est qu'ils peuvent être des compagnons merveilleux pour les enfants. Leur nature douce et aimante envers leur famille les rend parfaitement adaptés à la vie avec des enfants. Les pitbulls sont connus pour leur patience et leur tolérance envers les enfants. Ils sont souvent décrits comme étant des nounours en raison de leur affection et de leur attachement envers les membres de leur famille, y compris les plus jeunes. De plus, les pitbulls ont une énergie débordante qui les rend parfaits pour jouer avec les enfants. Ils sont souvent décrits comme étant des clowns en raison de leur nature ludique et de leur capacité à divertir les plus jeunes membres de la famille. Il est important de noter que la sécurité des enfants est toujours une priorité. Il est essentiel de superviser les interactions entre les enfants et les pitbulls et d'enseigner aux enfants comment se comporter de manière respectueuse envers les animaux. En conclusion, les pitbulls peuvent être d'excellents compagnons pour les enfants, offrant une nature douce, une patience et une énergie inépuisables. Avec une supervision adéquate, ils peuvent apporter joie et bonheur à toute la famille. Les pitbulls et la sécurité. Les pitbulls peuvent être d'excellents chiens de garde et de sécurité en raison de leur nature protectrice et de leur instinct territorial. Leur musculature puissante et leur tête large en font des animaux imposants, capables de dissuader les intrus et de protéger leur famille. Leur nature loyale et dévouée envers leurs proches en fait des compagnons fidèles qui veilleront sur eux avec vigilance. Les pitbulls sont connus pour leur instinct protecteur, ce qui en fait des chiens de garde naturels. Leur présence seule peut dissuader les personnes mal intentionnées. Ils sont également très attentifs à leur environnement et réagissent rapidement aux situations potentiellement dangereuses. Leur force et leur agilité leur permettent de réagir rapidement en cas de besoin, ce qui en fait des chiens de sécurité efficaces. Les pitbulls dans les services d'urgence. Les pitbulls peuvent jouer un rôle crucial dans les services d'urgence en raison de leur intelligence, de leur force et de leur dévouement envers leur travail. Ils sont souvent utilisés comme chiens de recherche et de sauvetage dans des situations d'urgence telles que des tremblements de terre, des avalanches ou des disparitions. Leur capacité à détecter les odeurs et à localiser des personnes ensevelies sous les décombres en fait des partenaires inestimables pour les équipes de sauvetage. En outre, les pitbulls peuvent également être formés pour être des chiens d'assistance dans les services d'urgence.
Leur nature protectrice et leur capacité à rester calme dans des situations stressantes en font des compagnons fiables pour les personnes handicapées ou les victimes de traumatismes. Ils peuvent aider à la mobilité, à l'ouverture des portes, à la récupération d'objets et à fournir un soutien émotionnel aux personnes dans le besoin. Il est important de noter que les pitbulls ne sont pas les seuls chiens utilisés dans les services d'urgence, mais ils ont prouvé leur valeur et leur efficacité dans ces rôles. Leur force physique, leur intelligence et leur dévouement en font des partenaires de choix pour les équipes de secours et les personnes ayant besoin d'assistance. Il est essentiel de reconnaître leur potentiel et de leur donner l'opportunité de servir dans ces domaines importants. Les pitbulls et la stigmatisation. Les pitbulls sont souvent victimes de stigmatisation et de préjugés négatifs qui sont basés sur des idées fausses et des généralisations. Cette stigmatisation est le résultat de la mauvaise réputation dont souffrent ces chiens, principalement en raison de leur utilisation abusive dans les combats de chiens et de la couverture médiatique sensationnaliste qui en découle. Cependant, de nombreux efforts sont déployés pour changer ces perceptions négatives et promouvoir une adoption responsable des pitbulls. Des organisations de protection des animaux et des propriétaires de pitbulls s'efforcent de sensibiliser le public aux véritables traits de caractère de ces chiens. Ils mettent en avant leur nature aimante, loyale et protectrice envers leur famille. Ils soulignent également l'importance de l'éducation et de la socialisation pour favoriser un comportement équilibré chez les pitbulls. De plus, de nombreuses initiatives visent à promouvoir l'adoption responsable des pitbulls. Des refuges et des organisations de sauvetage mettent en place des programmes de sensibilisation et de formation pour les adoptants potentiels, afin de s'assurer que les pitbulls trouvent des foyers aimants et appropriés. Ces efforts sont essentiels pour changer les perceptions négatives et permettre aux pitbulls d'avoir une chance équitable d'être considérés comme des compagnons de confiance et de confiance.